Coucou les morues, comment on va? 7ème épisode de Palladium. Et encore du tryhard, hein, forcément. Le tryhard, ouais. Donc hier, on a fait la farm AXP Blutch. Désolé, fallait que je la fasse. Et ça, c'est à cause de Riser du 83. Je lui dis que je le ferai au prochain épisode. Non mais bien joué mec. Bon, j'essaye de lire au maximum les commentaires, bien sûr, comme d'hab. Mais j'avoue qu'elle était pas mal. Et en fait, je crois que c'est Blutch qui avait appelé sa farm comme ça, enfin bref. Bon, qu'est-ce qui est prévu pour aujourd'hui? Les XP Bush ont bien poussé et je peux faire mes premières récoltes d'XP Berry. Je sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez pas l'impression de trouver moins de paladins en minage? Ah, c'est parce que t'as pas lâché un like sur la vidéo et puis que tu t'es pas abonné aussi. Franchement, essaye, ça marche. Hein. Ouais, t'as vu comment je gratte. Bon, oui, du coup, au niveau de la ferme XP Bush, elle a pas mal poussé et on va pouvoir enfin récolter nos premiers XP Berry. Bon, là, nos premiers, j'en ai déjà 21. En fait, faut que je retire les travel boots parce que sinon, des fois, je monte sur les blocs de dirt fertilisé et vu que tout n'a pas poussé, c'est pas très pratique des fois. Donc là en fait j'ai juste à maintenir le clic droit pour ramasser les XP berries. Après en fait il y a plusieurs formats de fermes. T'as des fermes en fait où ça sera full XP bush et les gens en fait récoltent avec un slime helmet, donc qui a la capacité de se coller au plafond pour ceux qui ne le savent pas. On va faire un petit test hein, mais bon après on ne va plus rien voir. Mais certains en fait utilisent le slime helmet pour justement se coller au plafond et récolter comme ça les XP bush. C'est une solution que je peux envisager, voilà. Mais je sais pas si on récolte très bien les XP berries, donc j'ai préféré faire un format plutôt comme ça que d'être collé au plafond. Et comme on dit dans le domaine, je suis une chauve morue parce que je dors pas la nuit. Ouais, c'était nul. Et bien avec une petite ferme comme ça, j'ai quasiment un stack d'XP berry. Et juste, ça fait tellement longtemps que j'ai pas utilisé d'XP berry, je ne sais pas quel level je vais être, on va tester. Donc on est parti pour un stack d'XP berry plus ou moins. Et je devrais passer peut-être niveau 10 environ. Ok, niveau 10. Donc un stack niveau 10. Alors je sais pas combien de stacks il faut pour passer niveau 30, dites-le-moi en commentaire parce que je m'en souviens absolument pas. Mais déjà un stack niveau 10, je dirais bien qu'il faut facilement 7 ou 8 stacks pour passer level 30 à tout casser. Mais bon, c'est déjà pas mal, level 10 comme ça sans rien faire de spécial en étant AFK dans la base. Bon là j'ai même rajouté une table d'enchante, je pense que vous l'avez vu. Bon c'est un peu overkill sur les biblios, j'en ai pas besoin d'autant mais bon c'est pour la déco quoi. Et aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Bon pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode d'avant, on est niveau 18 mineur et là il faut beaucoup d'XP. Parce qu'en fait je rappelle que la limite quotidienne est à 280 000 XP et que faut XP 506 000 pour passer niveau 19. Donc aujourd'hui il y avait deux solutions. Soit j'XP niveau 19 mineur à fond, soit j'XP un peu le niveau de farmer, donc niveau 5 pour faire de la dirt fertilisée. Et je vous avoue que j'ai un peu plus penché pour la dirt fertilisée parce que ça va me servir beaucoup plus sur le long terme, surtout au niveau des XP Bush. J'ai pas envie de m'amuser en fait à acheter de la dirt fertilisée tous les 4 matins en shop, clairement. Donc là le programme, c'est qu'en fait on va péter tous les murs, désolé la déco, elle va sauter, mais on va faire une ferme de 3x3 chunks. Pourquoi 3x3 chunk? Parce que si ça n'a pas changé, Palladium, tu cherches toujours un chunk autour de toi. Donc le chunk central et les 8 chunks autour de toi. Genre tu vois, moi je suis le stick en Palladium et là t'as les champs de blé autour. Est-ce que tu apprécies ce schéma? Donc on s'occupe de creuser tout ça. La table d'enchant va peut-être un peu bouger, mais ça on verra bien. On va déjà tout creuser, ça va prendre pas mal de temps. Là j'ai qu'une pioche FI4 U3. Apparemment on peut réparer les pioches, je suis pas sûr. Bon, j'ai crafté une petite enclume qu'on va mettre ici. Faut juste que je reprenne un peu de palladium. Je vais crafter une pioche en palladium très vite fait. Et est-ce qu'on peut fusionner les deux pour en fait réparer la pioche? Non, ça marche toujours too expensive. Ah, d'accord, en fait, faut faire l'inverse. Faut que tu fasses une pioche neuve, puis la pioche enchante. Et là, tu peux réparer pour 23 levels, ou je crois 30 levels au maximum et tout. Ok, bah écoutez, j'avais un doute. Mais en fait, on peut bien réparer les pioches en palladium. Ce qui n'était pas possible pendant un petit bout de temps, je crois. Même dans ce sens-là. Oh, je sais plus. Et si je fais ça? Ok, bah too expensive. Deux pioches enchantes, par contre, on ne peut strictement pas. Ok, bah écoutez, maintenant je le sais, je pourrais réparer ma pioche tranquillement. On va garder l'enclume sur soi et on ira miner un peu plus tard. Parce que je pense que ma pioche va prendre légèrement cher. Bon, vous savez quoi? J'aime bien les tours de magie. Donc en fait, toute la stone qui est là, on va la faire disparaître en un claquement de doigts. Attention, clac. Ouais, ouais, bah il y a quasiment rien qui a bougé. Ouais, parce qu'en fait, j'ai eu la flemme. Comment dire? J'ai commencé à creuser et le truc étant que bah, c'est long à la pioche, c'est vraiment trop long à la pioche. Et en fait, on va faire un Murph Speed 3.
comme ça c'est fait, et j'ai besoin de pas mal de palladium pour ça. On va poser le grinder, hop, avec le seau de lave et le four, et je pense que je pourrais même le laisser pour l'instant, en vrai je sais pas. Non, je le retirerai plus tard, mais j'ai la flemme là. Donc faut juste que dans le shop, j'achète 3 de sucre pour les 3 speed upgrade. Je sais pas où est-ce qu'il est le sucre d'ailleurs. Bon, pire, tu sais quoi, hein. Tiens, regarde, hop, voilà, nickel. Je fais les speed modifiers, donc faut 3 speed orb avant, pardon, et après on a les speed modifiers. Voilà. Et je crois que j'ai même pas besoin de mettre de palladium dans le grinder. Juste à mettre les upgrades. Et on va avoir notre petit speed 3. Voilà, je pense que ça va aller beaucoup plus vite. Et bon, clairement, je retirerai le grinder plus tard parce que là, j'ai légèrement la flemme. Voilà, nickel. Speed 3. Non, en vrai, on va pas faire le fou. On va jouer la sécurité. Que moi, des fois, avec la chance que j'ai... En fait, pour l'anecdote, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a très longtemps sur Palladium, j'avais fait une base décorée en V5. Et en fait, j'avais laissé un drawer pendant une nuit. La base avait pas été trouvée depuis le début de la version, et en une nuit, elle a été trouvée. Juste à cause d'un drawer. Donc pour vous dire que ça peut vraiment aller très vite. Ok, on repose tout. Et là, je pense que pour creuser, ça va être bien plus agréable. Ouais, ouais, clairement, ça n'a rien à voir. Ok, bah écoutez, on va miner au Hammer Speed 3, qui coûte quand même cher en palladium quand il pense, mais j'avoue que c'est plus rapide. Bon, après, faut que je commence à farmer, parce qu'il est 14h, et j'ai toujours pas commencé à farmer, donc ça se trouve, je vais même pas farmer farmer aujourd'hui, et plutôt monter mineur. Petit changement de programme en cours de vidéo, c'était pas prévu, je vous avoue. Donc je pense qu'après on ira faire un peu du pli, mais on va quand même construire la farm pour farmer pour le prochain épisode. Ok, nous revoilà juste un peu plus tard, j'ai tout miné, ça y est, à la speed 3. Bon, c'est vrai que c'est bien plus rapide quand même. Et maintenant, va falloir tout remplir de dirt. Alors ce que je me suis dit, c'est est-ce que je fais de la dirt sur la stone ou est-ce que je mine la stone? Ouais, j'ai la flemme de miner la stone. On va juste poser la dirt sur la stone, ouais. Bon, pour ça en fait, on va aller en monde minage à faire un beau drawer de dirt. Après, je sais plus combien c'est. 32 stacks. Ah, 32 stacks. Faut peut-être une upgrade quand même. Attends, j'en ai bien qui traîne dans la BP. Hop, nickel. Comme ça, je mettrai toute la dirt avec double upgrade en émeraude. Et puis, bah, go. De retour à la base, j'ai farmé du coup 2000 de dirt. En vrai, ça devrait suffire. Tiens, je vais mettre le drawer là, et puis bah go, on pose quoi. C'est parti, hein. Et en fait, je pense que pour l'eau, je ferai des trous au milieu des champs avec genre des colonnes d'eau pour en fait alimenter le tout en eau. J'ai pas trop envie de me compliquer non plus. Enfin, en soi, ce que j'aurais pu faire, c'est des rangées d'eau, mais faire des rangées d'eau et tout, en fait, tu perds trop d'espace de farm. Vraiment beaucoup trop. Et puis, t'as les cultures qui tombent et tout dedans. Enfin, c'est un peu relou. À la limite, en fait, je vais déjà faire là où il y aura l'eau. Donc, du coup, c'est 4 blocs en diagonale. Et du coup, nous, on se retrouve une fois que c'est full dirt. Ok, des barres. En fait, j'ai téléporté Blutch pour qu'il rejoigne la base. Hein. D'ailleurs, on a enfin la fac. C'est farm to win, pour ceux qui se demandaient. D'ailleurs, je vais peut-être récupérer les drawers parce que ça fait 1%. Oh, c'est pas bien ça. Mais oui, en fait, il est déjà niveau 5 farmer et bah je vais le laisser faire. Hein. Et finalement, j'ai même pas besoin d'eau du coup parce que bah c'est de la fertie. Et donc, en fait, il n'y a pas besoin d'eau. Bah du coup, il rebouche. Voilà, nickel. Après, je pense qu'il va falloir bah du coup labourer d'autres étages hein, pour farmer du blé. Et ok, bah je m'y attendais pas. Ouais, c'est mieux sans. Oui, bah oui, forcément, c'est mieux sans. Mais je pensais pas que t'étais level 5 en fait. Bon, bah du coup, on va laisser Blutch clic droit tranquillement sur toute la dirt. Et moi, ce que je vais faire, c'est qu'on va tenter de faire 280 000 d'XP le plus rapidement possible. Alors, je l'ai pas dit au début de la vidéo parce que le programme a changé entre temps. Bon, je vous avoue que j'ai commencé à rec hier et entre temps, bon, bah j'ai pas mal de choses à faire. Et je pensais pas que construire une farm prenait autant de temps. Donc voilà, j'ai légèrement sous-estimé. Je pensais que j'avais le temps de faire la farm plus monter level 5 farmer. En fait, non, clairement pas. Donc là, j'ai fait un petit coin table d'enchant. Et ce que je vais faire, c'est que là, je vais passer sur Discord. Et en fait, j'ai demandé, justement, dans le channel dédié pour la duplication, s'il y a des personnes qui ont des minerais à dupliquer. Et il se trouve que oui, les minerais qu'on a vus hier en vidéo, eh bien, là, ils sont prêts à être dupliqués. Donc, je vais tout de suite me téléporter sur les premiers. Je vais essayer de mettre un timer pour savoir combien de temps je mets exactement. Ou au pire, vous savez quoi? On va checker l'heure sur le PC une fois qu'on va commencer. Là, on est samedi 28 novembre, donc aujourd'hui, 16h58. Et je pense qu'on va commencer bah, dans 2 minutes. Allez, let's go pour les premières TP et savoir combien de temps on va faire les 280 000 d'XP. Mais ça peut être très, très, très rapide. Bah, du coup, je dis à Blush comme quoi je vais vite faire de la dupli pour mon rec. Et bah, merci à lui, hein, c'est vachement sympa de sa part. Hein. Le mineur fou. C'est le pire, le mineur fou. Du coup, là, on va se téléporter auprès de Khan qui a enfin tout posé sur Forestia, pseudo Khan Gushu.
Parce qu'il a plus de 1000 palas déposés, c'est un fou. En fait, limite, je me dis, est-ce qu'en finissant de dupliquer son palladium, je vais pas faire déjà les 280 000 d'XP? En vrai, il y a vraiment moyen. Du coup, tu m'as dit que t'avais 1000 de palladium quasiment. Ouais, 1072, je crois. Ouais, et l'autre fois, j'en ai perdu 4 stacks, comme je t'ai dit. Mais t'en as vraiment perdu 4 parce qu'en fait, je sais qu'il y avait un bug d'affichage justement sur les drawers. Ouais, j'ai demandé à Terranbox et apparemment il y avait un bug d'affichage, donc tu les as peut-être pas perdus. Ah, bah je sais pas, moi c'était bloqué à 512, après je les ai peut-être récup, mais je sais pas, j'ai pas fait attention. En fait, ils sont toujours dedans en fait, c'est un bug d'affichage, il m'est arrivé la même chose avec l'améthyste. Ouais, pas. Bah t'as vidé tous tes drawers là déjà ou pas? Ouais, t'as tout vidé. J'ai tout posé. Je pense que t'as pas fait gaffe à mon avis. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, t'as préparé les couloirs. Ouais, je suis là. Ok. En fait, là je m'étais dit, est-ce que je vais faire 280 000 d'XP là en assez peu de temps? Et je me suis dit, mais attends, mais avec tout ça, je vais peut-être faire les 280 000. Ouais, je pense que là... Juste avec ta dupli en fait. Ouais, il y a moyen en vrai, ouais. On t'a préparé de quoi t'oranger? Pas du tout. Parce que là, ça va déborder. Hein. Là, il va y avoir 4-5 fois d'inventaire de minerai. Facile. Okay. Hein. Bah, en vrai, pose un drawer de... Ouais, un drawer pour chaque minerai, de toute façon. Et bah, dès que t'es chaud, tu me dis. Et puis, on voit l'XP que ça fait. Ouais, hein. Bah, je verrai. Bah, moi, je suis prêt, là. C'est bon. Ok, ça marche. Bah, let's go, du coup. Hein. Hop. Tu commences par quoi? Je commence par quoi? En vrai, j'ai envie de dire le palladium quand même. Mais voilà. J'ai le choix, ouais, c'est vrai. Attends, mais ça va jusqu'où comme ça là? Celle-là va pas loin, mais la deuxième elle va jusqu'où? Ouais, et puis t'as le. Oh là là, le palladium. C'est n'importe quoi. J'en ai bavé. Hein. Ah ouais, bah c'est clair, t'en as bavé. Attends, mais tellement que ton palladium il va loin, genre je vois même pas le bout. Genre ça charge même pas le chunk. C'est. Ouais, pareil. J'ai envie de commencer par le palladium en vrai, mais j'ai envie d'attendre le clear lag. Comme ça fait la grosse série d'XP d'un coup en fait. Ah ouais, j'avoue. Il est 17h09, 50 secondes. On va dire 17h10, allez. Let's go! Attends, j'ai le bon hammer? Ouais, c'est bon, j'ai le bon hammer. De toute façon, je te dis dès que je suis full. Hein, ouais. Je pense que les 280 000 XP ils sont larges. Genre là je suis déjà à 23 000. Hein. Ah ouais. Ouais non mais ça va vite hein. C'est avec... En fait avec un fortune 3, à chaque 9 palladium cassé, je gagne environ 3 à 4 000 XP. Bon 3 000 environ. Donc je te dis ça va vite. Hein. T'es niveau combien là mineur 18. 18 et tu gagnes tout ça déjà. Après en fait t'as la limite d'XP quoi donc... Ouais c'est vrai. T'as 1000 de palladium quoi. Ouais. Ouais ouais. Bah écoute c'est... Même moi je crois que j'ai pas miné autant de palladium depuis le départ. Hein. J'ai fait que... Je dois en être à... Franchement, je dois en être à peut-être 700-800 à tout casser depuis le début. Mais ouais, là, j'ai environ 80 blocs de pala. Enfin, ah ouais. J'ai utilisé 32 blocs il n'y a pas longtemps. Enfin, je pense que j'ai farmé 2 stacks de blocs de pala environ. Ah ouais, bah ça va, tu te mets bien. Ouais, ouais. Mais je pense que là, t'as plus à mon avis. Je pense que t'as plus de 2 stacks de blocs de pala. Ouais, là, je pense que tu vas être proche des 3 stacks de blocs, je pense, à mon avis. Là, je suis déjà à 115 000 d'XP. Ah ouais, bah, tu vas l'exploser la limite là. Hein. Ouais, non, mais là, je pense qu'à toi tout seul, la limite, elle est finie quoi. T'as même pas fait la moitié encore. Il y a mon inventaire qui commence à se remplir de palladium là. Parce que je suis à combien de stacks là? Je suis ouais à plus ou moins 10 stacks, je pense. Un stack de blocs ennemis, mais attends, autant? J'avoue. Mais en fait, tu vas avoir 5 stacks de blocs en fait. Ah non, ça reset la série d'XP à cause des lags. Oh non, dommage. Là, je voulais voir 280 000 moi en bas. Bah ouais. Bon, vas-y, limite, je vais poser le palladium. Là, t'as déjà. Bah forcément 512 parce qu'en fait t'as un bug d'affichage. Ah ouais. Tiens, essaye de retirer du palladium après, t'as toujours marqué, tu vois, t'as marqué 600 et tout. Après si t'as peur, tu vois, limite tu mets à côté, mais bon, normalement ça devrait aller. Au pire, fais des bugs directs, hein, au pire. Hein. Vas-y, je fais ça. Comme ça au moins tu prends pas de risque, on va dire. J'aurais presque dû prendre un screen avant la quantité de palladium. Ouais, j'ai pas pensé à faire ça. Ouais, la ligne droite de palladium. Ouais, je pense qu'au total on mettra peut-être 25-30 minutes à mon avis. Après en fait le titane se mine beaucoup plus vite que le palladium, titane et améthyste. Ah ouais, il y a une différence de vitesse? Oui, largement. Le palladium, il est largement plus long à miner. Pour ça qu'en fait, à chaque fois, j'arrête pas de dire aux gens, mais quand ils me font dupliquer en fait leur minerai, faut qu'ils mettent le palladium au centre si jamais il y a du mélange. Ah oui. Parce qu'en fait, ça casse le titane et l'améthyste, mais pas le palladium. Avant, on pouvait faire avec les torches, mais je crois qu'on peut plus normalement en théorie. Non, je crois pas. Ah, en vrai, je sais pas. Hein. Ah, là, c'est bon. Limite atteinte. Dommage. Donc ouais, juste avec notre palladium, là, genre déjà 280 000 en fait, c'est insane. Et maintenant, je gagne environ 800. Ah ouais. 800 par 9, là? Ouais, c'est ça, 800 XP par 9. Ouais, la limite est vraiment très hard. En fait, ça permet à tout le monde de monter les levels, mais dès que t'as atteint la limite, genre, t'es douillé, quoi. Après, bon, en vrai, je trouve ça bien, quand même. Parce que sinon, je serais déjà niveau 20 mineur depuis 3 jours. Largement, ouais. Je suis bientôt à 100 000 XP à nouveau, là. Franchement, je suis curieux de voir combien de blocs de pala tu vas avoir après. Genre, moi je mise sur facilement 5 stacks de blocs, à mon avis. Moi je dis 3 stacks et demi en vrai. Eh, c'est bon, on a le panneau. Et en vrai, j'ai déjà réclamé au début de la vidéo, mais c'est pas grave. Ah, dommage. C'est jamais trop. Ouais. Du coup, voilà, si t'arrives en plein milieu, tu t'abonnes maintenant. Genre, dépêche-toi, voilà. Il a dit dépêche-toi. Vas-y, je te laisse crafter les blocs.
Attends, je te drop le palladium. Vas-y. J'en ai 4, enfin 2 stacks, 3 stacks, je sais plus. 5 stacks des blocs. Ah, attends, vas-y, craft. Vas-y. Ah, j'ai peut-être un peu surestimé. Largement, je pense. Attends, je crois que j'ai pile poil dit la bonne réponse en plus. Donc environ 150 blocs de palladium. Dommage. Ah, 227 quand même, hein. Ça fait quasiment 4 stacks, hein. 3 stacks et 35, ça fait... ouais. Voilà, 3 stacks et demi. Et du coup, on est à combien? On est à... Ouais, c'est ça, il me reste du moins 170 000 d'XP pour passer le niveau. Par contre, du coup, ouais, ça fait 14 minutes qu'on a commencé. On a fait une séance photo entre-temps. En vrai, je pense, genre 10 minutes. En 10 minutes, on a explosé la limite. Hein. Bah, même pas, en fait, parce que, tu sais, genre, il est 24, mais la limite, on l'a sauté, genre, bien avant, quoi. Bah oui. On l'a sauté en même pas 5 minutes, en fait. Ouais. Ah bah ouais, j'avoue. Là, je suis à 336 000 d'XP. Ça veut dire qu'on a dépassé de 50 000, là, déjà. Et sans boost, c'est comme si on avait dépassé de 200 000 XP, en fait. Ton palladium, en gros, sans limite, il aurait rapporté 480 000 d'XP. Wow. Donc, heureusement qu'il y a une limite, hein. Ok, bah go pour la suite, du coup, hein. Super, super, super. Du coup, là, j'ai gagné 20 000 d'XP, ouais. 20 000 d'XP environ, j'ai gagné sur ton améthyste. Donc, 80 000 de base, on va dire. Et non, c'est pas mal, hein. Mm. Tu m'as fait remporter au total 369 000 d'XP. Ah oui, quand même. Bah, tu m'as fait quasiment 3 quarts de mon niveau 18, en fait. C'est juste avec tes minerais. Aïe, 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 dommage. C'est... J'aurais bien aimé voir passer le niveau 19, en vrai. Hein. Fallait un peu plus de palladium, quand même. Franchement, t'as pas beaucoup miné, je suis déçu. Hein, ouais, que 1000 de palladium, t'es un petit joueur. Hein, ouais, la prochaine fois, je pense que je serai niveau 20, peut-être, déjà. Si jamais tu veux reminer 1000 de palladium, je pense que je serai déjà niveau 20. Ouais, je pense, largement. En vrai, là, je pense que, moi, je dis dans 2 jours, je suis niveau 20. Peut-être, je pense que ce soir, je peux passer niveau 19, ouais. Mais par contre, ouais, sans... Enfin, je pense qu'avec la limite d'XP, je pourrais pas faire le niveau 19 entièrement avec la limite. Genre, ça va être beaucoup trop long. Moi, je parie sur un petit 3 jours. Tu fais 3 jours. Si tu fais un épisode par jour, ouais, je pense dans 3 jours. Ouais, moi, je dis en vrai, lundi 30, il y a l'épisode niveau 20 mineur. Lundi 30, toi, 3 jours, du coup, c'est mardi, non, mardi 1er décembre, toi. Ah oui. Du coup. Donc, limite, on va faire ça dans les commentaires. Genre... 30 novembre ou 1er décembre. Ah, du coup, moi, je dis 30 décembre. Attends, 30... Non, 30 novembre. Attends, j'ai dit quoi avant? 30 décembre. Non, 30 décembre, c'est un peu trop loin. Non, 30 décembre, c'est tous les métiers niveau 20. Non, quand même. Non, peut-être pas quand même, mais... Non, ouais, 30 novembre ou 1er décembre. Moi, je dis 30 novembre. 1er décembre, toi, du coup. Ouais. Ok, ça marche. Et bah, écoute... Sacrée duplication en tout cas. Ouais. Gros GG à toi quand même, hein, pour avoir mini tout ça. Ouais. Parce que 1000 de palladium quand même, t'es chaud, hein. T'es chaud. T'as eu 3 stacks et 1000 palladium. Grosse galère, ouais. Ouais, bah de rien. Mais merci aussi parce que bon, là clairement, j'aurais pas fait autant d'XP en aussi peu de temps. Ouais. Genre, vraiment. C'est un petit don quoi. Un petit don d'XP. Wop, wop. Gros don d'XP même. Bah, ça fait plaisir. Ok, on a un petit tas de palladium de Ténaïbre avec une petite farm, hein, une grosse farm. Ça fait tellement XP le palladium, c'est ouf. Et bien merci Ténèbre pour tes 7000 d'XP, merci à toi. Ok, duplication suivante. Ouais, il nous manque quand même pas mal d'XP. Hein. Et on est parti. Super, merci Artfire. Au total, on a eu on a quasiment eu 30 000 XP encore. Hein. Cool. Et, il m'a passé plein d'XP Bush là. Bah, merci beaucoup, mec. Genre, il m'a passé une vingtaine d'XP Bush, c'est cool. En fait, quand on est en combat, il y a une épée en palladium. Ok, d'accord, ça marche. Oui, mais du coup, ça me met que je suis en combat. Ok, d'accord. Bah, c'est bon, nickel. Du coup, au tour d'Azo Gamer, on va se TPA. Et il a un peu mélangé tous les minerais. qu'est-ce qu'il m'a fait là? Genre, il m'a mélangé du palladium, de l'améthyste, du titane, genre en mode YOLO quoi. Bah écoute, je sais pas comment est-ce que je vais faire. En fait, là, ici, ça va pas casser le palladium. Non, c'est pas grave. Ok, nickel, on est sur la fin et on a fait encore 30 voire 40 000 points d'expérience. Et en vrai, si j'ai ça à chaque personne, genre, bah de rien à toi. Et en vrai, bah suivant. Merci à ZoGamer. Du coup, on va se TP à Super Maxux 50 pour la duplication suivante. J'ai bien mon Fortune 3, ouais, c'est bon. Ah oui, il a posé comme ça dans la nature, genre plus grand et calme. Ça va? Yo, comment tu vas? Hey, joli skin, hein, n'empêche, hein. Attends, pourquoi il me passe encore des minerais, là? Attends. Ah, il y a trop. Ok, c'est bon, je crois que j'ai tout chopé. Ok, nickel, j'ai fini de tout poser. Enfin bon, quasiment. Non, ça devrait être bon. Attends, je suis à combien de base? Ok, 433 000. Et ça nous fait 19 300 XP en plus.
ce qui nous met à 452 000 d'XP. Donc il manque plus que 50 000 XP, c'est tout. Et le problème, c'est que là, il est un peu tard. Ouais, ça fait quasiment 2 heures que je duplie. Donc je pense que je passerai niveau 19 la prochaine fois. En tout cas, merci à toi, Super Maxoux. En vrai, ça leur rend hyper service pour le Palladium. Et moi, ça me rend hyper service pour le métier de mineur. Donc voilà, vraiment, tout le monde est gagnant. Toi, Fuse. Ah, mais c'est pas gentil pour Fuse. Merci pour les 24 de Palladium. Merci, mec. Et du coup, nous, on retourne à la ferme AXP. Jules. Alors oui, en fait, pour l'anecdote, il y a certaines personnes du staff d'Excalia, dont Jules, qui m'a aidé un peu à miner, là, et il m'a ramené tout ça de Palladium. Bon, mon home était un peu au milieu du Palladium, du coup, j'ai failli crever, mais c'est pas grave. Mais merci beaucoup, mec. Eh, vous savez quoi? Ça va faire un peu d'XP encore. T'as pour vous dire, il y a même Lord qui s'est remis à miner du Palladium. Donc Lord et Jules qui sont resp sur Escalia. Et Lord, bon bah vous le connaissez depuis un petit bout de temps sur Palladium maintenant. Je l'ai rencontré à la V5 et il est retourné miner parmi nous. Donc c'est cool. Ah, je dis pas non à tout ça là, genre tout ça de Palladium. Eh, j'en aurais dû piquer du minerai pendant cette vidéo, hein. Ah, on est vraiment pas loin. Bon, ok, au passage, Blutch, du coup, a labouré tout le champ. Je te remercie vraiment, Blutch. Ce qui va me permettre de monter Farmer niveau 5, peut-être pour la prochaine vidéo. Et par contre, il me faut des graines de blé, ce que je n'ai absolument pas. Donc, mais écoutez, aujourd'hui, on a quand même pas mal avancé, même si j'ai pris, bon, un peu de retard. Donc, je rappelle, soit 30 novembre ou 1er décembre pour le level 20 mineur, ça va être un des deux jours. Et sur ce, n'oubliez pas de liker avant de partir, de vous abonner si vous n'êtes pas, même d'activer la cloche. Et on se retrouve à très bientôt pour la suite. C'était Miro, je vous kiffe, ciao.